Macron et Lala vivent ensemble depuis un an. C'est un couple très complice et très heureux en ménage. Macron est un homme très à l'écoute et très attentionné. Par contre, il est très négligent concernant les tâches de la vie quotidienne. Lala vient de rentrer. Elle s'était absentée pour effectuer des démarches administratives pour son mari Macron. Il reprête une partie de carte. Jean-Monsieur s'amuse bien. Il a faussé le jeu. Pendant que moi je passe de bureau en bureau là en fait depuis tout à l'heure. Pour faire tes papiers. Toi t'es là, ça va, tu t'amuses, t'es à l'aise. Et en plus de ça, il manque la copie de ton avis d'imposition. Ouais, mais il faudrait que tu rappelles. Non mais j'ai pas que ça à faire de t'appeler, c'est juste en bas. Ah, donc tu iras faire les copies tout à l'heure. Non, non, mais j'ai pas que ça à faire là en fait. Tu feras les photocopies quand tu déposeras tes potes. C'est bon? Ouais. Ouais. Vas-y, redistribue. Malade. Attends, tu as laissé ta femme te parler comme ça là? De quoi je me mêle toi? Vas-y, fais-moi. Quoi? C'est leur histoire de couple. Oh. Attends, me parler comment? Laisse-moi tranquille. Elle m'a parlé. Rien, mec. Elle t'a parlé comment? Parlé comment elle t'a parlé là? Elle m'a attaqué comme si t'étais son enfant. Moi là, elle me parle comme ça là. Mais vous savez. Elle a giflé! On n'est plus autant du Moyen-Âge, enfin, je sais pas. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais regarde frère, je suis indépendant. Non, frère, non, je regarde rien du tout. C'est pas normal qu'elle vienne me parler comme ça. Hé, hey, c'est toi l'homme de la maison, c'est toi qui porte le caleçon, non? Bah, c'est toi qui t'as des responsabilités, ils sont indépendants, frérot. Mais pourquoi tu veux l'écouter, lui? Écoute quelqu'un qui est marié depuis 4 ans. Ma femme, là, tu penses qu'elle me parle comme ça, moi? Hé, moi, je te dis un truc. Hein. Tu vois, là, c'est une belle femme que t'as. Hein. T'as de la chance de l'avoir. Ah, tu te tiens vraiment? Franchement, après, tu lâches à tout le monde. C'est là que tu fais le con, donc. On a dit, écoute-moi, comment t'as parlé là, c'est pas normal. C'est pas normal. Attends, quand même. Moi, si j'avais une femme là, je serais pas. Mais tu n'as pas de femme. Oui, si j'avais, justement. Oui, mais non, on n'est pas dans le passé là, on est dans le présent. Tu n'as pas, j'en ai une. Je suis marié, je sais de quoi je parle. Elle a pas de chance là, chien. Eh ben, excuse-moi, elle a beaucoup de chance. Mais c'est quoi que mon petit? Viens, on reprend la partie. Ouais, mais. Mon gars, il faut respecter les femmes. Joe, on reprend, c'est bon. Tu veux l'écouter, écoute deux. Quand elle va te marcher dessus et puis elle va venir avec. C'est elle qui va porter les couilles ici, là. Ne m'appelle pas, hein. Je voulais faire mon dictateur. D'accord. Vas-y. Vas-y. Hey, tu joues pas. En plus, je joue pas. C'est quoi, toi? Toi, tu joues pas. Ah, merci, c'est gentil. Suceur. Il te traite de suceur en plus. Écoute-le. En plus, de base, j'avais gagné, c'est ça le pire. Vas-y, rendez-moi mes cartes. Tiens, plus 2, allez, hop. Faut piocher 4 cartes, pioche 4 cartes, hop. Allez, comme tu veux pas m'écouter, faut piocher 4 cartes, allez. Attends. Comment elle veut tuer? C'est bon, frérot, c'est bon. Non, ça me choque, je suis désolé, ça me choque, c'est pas normal. Attends, c'est quoi ça? Quand même, il y a le respect. Quand même, là, t'as pas respecté. En plus, tu vas parler gentiment, et là, te crie dessus comme ça, comme si t'étais son enfant, frère. C'est quoi ça? Non, c'est pas normal, c'est pas normal. La prochaine fois, là, tu la laisses pas. Moi, là, on parle pas comme ça. Vas-y, non. Ça, c'est toi. Moi, si je prends la table, bam, c'est fini. Ça va, non, c'est quoi ça? C'est bon, c'est à de forcer. Donc. Bon, venons, jouer, c'est bon. Allons, jouer. Moi, il y a un truc qui m'insupporte, c'est qu'on respecte pas les gens. En l'occurrence, les femmes. J'ai vu que mes deux potes. Surtout, bah, mon pote, il respecte pas sa femme. Et quand on respecte pas les gens, moi, je suis toujours là pour parler. J'ai un mot à dire. Donc, j'ai ouvert ma gueule, sauf qu'ils m'ont pas écouté, malgré que ce soit mes potes. C'est dommage, hein. Une semaine plus tard, il rejoint son ami Michael, qui est en train de réparer sa voiture. Macan s'adosse à la voiture, l'air énervé. Macan fait un gros soupir et semble réfléchir au conseil de son ami. Tu me vois pas, je suis en train de rajouter des trucs, tout ça, pour la voiture. Eh, c'est l'autre, elle me casse les couilles. Mais qu'est-ce qu'il y a? Depuis, elle fait que me prendre la tête. Attends, pause. Attends, je vais voir sur mon truc. Attends, je reviens sur toi. Attends. Quand je te parle, là, ça rentre. Et puis, ça sort. Maintenant, tu viens ici, là, poser. Tu boudes. Pourquoi? Tu viens pleurer chez moi maintenant? Non, sérieusement, en gros, je t'explique. Juste parce que je suis pas allé chercher ses affaires au pressing. Seulement deux chemises. Elle se met dans tous ses états. Elle vient, elle me dérange, elle me casse la tête le matin, le midi, le soir. Non, j'en ai marre. Franchement, j'aime ma femme, hein. Mais là, par contre, comme la manière dont elle me parle, comme si j'étais son enfant, je supporte plus. Michael, quand il parle. Je te glace, je rigole de nerfs, vraiment.
Là, vraiment, parce que je te dis, là, tu vois, c'est les nerfs, vraiment, j'en ai marre. Bon, écoute, écoute, écoute. Ça t'énerve, non? Ouais, vraiment. Bon, vraiment. Moi, j'ai la solution à ton problème. Ouais. Ouais. Tu me fais confiance ou pas? Quand je t'ai parlé la dernière fois, là, je t'ai dit quoi? Quand on joue au cash, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, ah, elle te parle comme ça. Non, 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 faut pas du tout. Elle va te marcher dessus la prochaine fois, elle va prendre quelque chose et puis elle va te frapper. Non, non, là, là, c'est pas une femme violente. C'est pas une femme violente. Hey, quand ça commence comme ça, là, ça peut aller loin. Ouais. Donc écoute-moi très bien. Ouais. Ce que tu vas faire là, hein, quand elle te parle, tu l'ignores. Tu l'ignores. Comment non tu lui réponds là? Ah, là, mais tu te sens. Tiens, tu lui parles mal. T'es sûr qu'elle va pas me quitter? Oh, les femmes sont stupides. Elles sont trop stupides. Laisse ça. Laisse ça. Quand elle va voir ça là, elle-même là, elle va venir devant toi à genoux. Oh mon amour, reviens, reviens. Hein? Donc faut faire ça. Là là, quand tu rentres, tu truc. Ok. Tu viens. Tu l'ignores. Je l'ignore direct. Tu l'ignores. Genre en gros, tu regardes en mode truc, elle va comprendre. Ouais. Ma femme m'a manqué de respect dans mon salon, devant mes amis. Mais heureusement qu'il y avait Michael. Il m'a donné les structures d'une bonne relation, basée sur ses 4 ans de mariage. Il m'a tout de suite ouvert les yeux. Et je me suis rendu compte que la manière dont ma femme me traitait, elle n'était pas normale. Dès le lendemain, Macan décide de suivre les conseils de Michael et décide d'ignorer sa femme. Ce matin, Lala est de bonne humeur. Elle a préparé le petit déjeuner de Macan. Un soir, alors qu'il était parti prendre sa douche, elle entend le bip du portable de Macan annonçant l'arrivée d'un message. Elle n'était pas de nature à être curieuse, mais elle voulait savoir pourquoi son mari avait changé. Elle prend le portable et elle lit le message, puis ceux qui l'avaient archivé. Elle semble surprise par les contenus de ceux-ci. Ah, tu vois, quand je te disais que les femmes sont stupides, voilà, ça continue. Comme ça, tu es sur... Okay. Et l'autre là, comment il s'appelle? Michael. À quoi il sert lui en fait? Sa femme, je la connais très bien. Parce que c'est une amie à moi. Et lui là, à chaque fois qu'il donne des conseils à mon mari, c'est toujours pour essayer de l'enfoncer. Sauf que mon mari, vu qu'il comprend pas, forcément il écoute les conseils. Mais là, aujourd'hui, je l'ai cramé.
Donc ça va pas se passer comme ça. Lendemain, alors Lala s'était mise sur son 31. Son mari et ses amis étaient assis, comme à leur habitude, pour leur partie de cartes. Elle faisait des allées et venues, faisant semblant d'être au téléphone avec des amis pour se rendre en soirée. Les garçons la regardent aller venir. Elle enfile ses chaussures et s'en va. Vas-y. Vas-y, concentrez-vous. Lala, viens ici. Comment ça tu sors sans ma permission? Déjà, premièrement, de 1, tu vas arrêter de crier. Deuxièmement, là, c'est bon, ça y est, j'existe. En fait, il est où ton problème? Quoi? Tous les jours, tu passais ton temps à me calculer, maintenant c'est maintenant que tu veux me calculer? Ton conseiller, il a pas un conseil par hasard à donner? Attends, qu'est-ce que monsieur le conseiller matrimonial là, t'as pas un conseil à donner toi aussi? Moi? Ouais, toi! Oh, mais attends, je comprends pas. Commence pas à rigoler parce que moi je rigole pas avec toi. Hein. Oh là, je te dis tout de suite. Vous êtes là, à faire vos magouilles, tu crois que j'ai pas vu tous les messages? Continue à jouer. Continue à jouer. Je sors, je vais où je veux, je rentre quand je veux et tu vas rien faire du tout. Non, il n'y a pas de chéri. Continue à jouer. Toi, il n'y a pas de c'est parce que je crois. J'ai tout vu. Il n'y a plus de chéri. C'est terminé. Il n'y a plus de chéri. Il a dit que j'étais. Ouais. Tu l'as écouté, non? Tu l'as écouté? Mariez-vous ensemble. En fait, en parlant de marier, c'est ça que j'allais oublier de dire. Ta femme. Ta femme, là. Elle m'a envoyé un message. Ah, c'est bon, ouais, tu t'es fait griller, moi. Quel message? Non, attends. Ouais, il a très bien dit, tu t'es fait griller. Le message, c'était, dis-lui, s'il est chez toi, dis-lui qu'il vient de faire le ménage et la vaisselle. Non, c'est pas très proche. Bon, je vous laisse. J'ai mis les clés, je pense pas qu'on aura besoin. Depuis ce jour, Macan n'avait plus demandé conseil à son ami, car ses conseils avaient failli détruire son couple. Lui, Lala, s'était mis d'accord pour régler leurs problèmes sans l'intervention de leurs proches. Et depuis, tout allait bien pour eux. Oh là 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 là. Michael, il m'avait menti depuis le début. Donc, la personne qui prétendait être, en fait, c'était l'opposé. Il voulait que je sois la personne qu'il n'était pas. Donc, lui... Du coup, on s'est fait ridiculiser, encore dans mon salon, pour une deuxième fois. Et c'est pas, ils ont merdé. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont envoyé des messages, je sais pas quoi. Ils se sont fait cramer, elle les a chopés. Et du coup, bah, comme des cons, là, ils étaient là et tout. Ils ne savaient plus quoi dire. Il s'est fait allumer par sa femme. Du coup, bah lui, il perd sa femme. Je perds son amitié. Et puis lui, bah, se retrouve comme ça, quoi. Voilà, c'est une leçon de vie. Il aurait dû écouter Brice. Parce que Brice, c'est la voix du sage. Moi, on va dire, c'était la voix du diable. Et bon, bah après, c'est une leçon de vie. Donc, ceux qui ont des amis, que je dis bien amis, frères, faites très attention, parce qu'ils peuvent vous donner de très mauvais conseils comme de bons conseils. Malheureusement, moi, c'était de mauvais conseils. Bon, là, je me retrouve sans mon meilleur ami.
Et peut-être même sans ma femme. Oh là là.